On y va les gens, j'espère que vous êtes toujours chaud. On se retrouve pour DQMJ 3 en Nuzlocke Challenge. Et avant de commencer, on a eu une perte. Stockage de monstres en hors life, hein, j'ai en train de farmer pour l'XP. Donc là on est niveau 30, 24, 24, 24. Allez ouais, on y croit Tigalouche, on espère que le boss ça va passer. Parce que le boss est quand même assez chaud. Surtout j'ai que T-1000 qui est utile. Le reste, bof quoi. Et j'ai eu lui qui est tombé au combat. Donc bah vous savez ce que ça veut dire. Sorti. Adieu. Il était cool en plus, bonus PV et bruit PV. Et faut que je le marque bien sûr. Eh oui, on ne triche pas si on a des pertes hors live. Booba a tristement boudé. Booba boudé. Rigolo. Ok, et on est à 11. 11 morts. Et puis normalement, c'est tout bon. Hein. C'est tout bon. Pour avoir tout montré. Et merci, le fan d'animé. Eh ben écoute, moi aussi je suis fan d'animé. Et merci beaucoup pour le follow. Et bienvenue dans la famille Dragon Questienne. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Le petit râteau. Voilà, suivi d'un nout-nout. Et on y va. Donc là, on est un nouveau boss. Ça va être chaud. Ça va être corsé. Mais bon, faut bien y aller au bout d'un moment. Oui, normalement, j'ai tout raconté de ce qui s'est passé. J'ai eu une perte. Vous qui osez s'immiscer dans les chambres du grand roi du pillage, Bundold. Toi, pourquoi es-tu ici? Je pensais que tu étais contraint dans ton paradis. Mon ami préféré, c'est Clannad, si tu connais. Clannad After Story. Après, pas très loin, il y a Nagi no Asukara aussi qui est génial ici. Comme c'est gênant, bien sûr, je vais nettoyer le désordre. Beau choc. Je veux pas laisser passer ça, surtout après que tu sois échappé de ta prison de sein de Dieu assez fort pour avoir celui-ci. Cette calamité se termine tout de suite, je vais personnellement te détruire ici maintenant. Ah. Et Sphinx qui a fini le DQMJ 3 Pro entra, donc plus qu'à vérifier les bugs et tout. Ah. Bon, lui ça va. Pour lui je m'inquiète pas. Mais pour les autres. Pour les autres par contre, je m'inquiète un peu. Ils ont rien. Ils ont rien du tout. Et toi, t'es lequel ton préféré, fan d'animé du coup? Ouais, si je laisse en défense. Mais je crois qu'il peut endormir lui, non? J'ai souvenir qu'il était chiant pour quelque chose. Après, je sais plus c'est quoi. On va remettre des protections. J'ai l'isolation aussi. On va remettre des protections. Je perds personne. Hop. Allez, ta vie sur les animés à plus de 200 épisodes à Jibo. Ça sert à rien. Entre nous, je suis sûr que t'es d'accord avec moi. Tu tournes en bourrique. C'est la même chose après. C'est vendre pour vendre. Hein. J'ai hâte de dire ça. Je sais que nous deux on est pareil. Donc c'est One Piece pour le fan d'animé. Voilà, c'est One Piece. Donc là on a plus de 200 épisodes. Protection. Ça va le son parce que moi il me paraît fort dans les oreilles. Ça me défonce. Attention, 5 défense et défense. On va rester comme ça. Bien fait, chacun la réponse. Après, chacun ses goûts. Hein. Chacun son chemin. Moi je suis plus dramatique que School Life et Tranche de Vie. Nous, Clannad. Aïe! Petit remède. Quand on va le défoncer. Si on a à le taper avec, on va le défoncer. Protection sur soi. Défense. Défense, je vais perdre personne. Déjà que Hunter x Hunter, j'ai trouvé ça trop bon. On a déjà proposé de le regarder, mais non. Non, non. tac, 50. Est-ce que je bourre tout de suite?
Non, je vais pas mourir tout de suite. Je vais une tension 100, je vais perdre défense, défense et objet en multi-remède. Heureusement que j'ai acheté ça. Je n'ai pas acheté pas derrière. Ah, pour Interest Center. Par exemple, à Mario Casabia, ça me fait un peu peur. Parce que il y a beaucoup d'épisodes. Oh, je suis en 50 ici. Est-ce que je fais le fou? Ça, la question, est-ce que je fais le fou? J'ai envie de faire le fou. Hein. Vous me connaissez. Oh, non, moi, je quelqu'un qui joue défensif, mais là, ça, c'est des vieux monstres. Est-ce que je perds quelque chose? J'en sais rien. Mais dedans, je peux rien faire, puis je vais faire combattre. Oula! Ça va s'ambiancer dans le chat, j'aime ça, je veux voir ça. Comment c'est vos paris? Ah merde, je vais taper avec lui. Oh désolé, sans pitié. Désolé, désolé. Défense, défense, défense. On fait le fichu. On le fait le fichu. Ok. Bon, j'ai mis un super tendance, je crois, avec de l'autre. Mais sinon, one shot. On a perdu personne, c'est cool. C'est Tokyo Revengers. C'est juste... Alors, j'ai entendu parler fan d'animé. Je sais plus si j'étais voir des images ou non, mais j'ai entendu parler de Tokyo Revengers. Je crois que les images j'étais voir. Et justement, c'est les images qui m'ont dit ouais, bof. Hop. Après, faut jamais s'arrêter sur ça. Enfin, attendez, en ce moment, ce que je regarde, c'est Arrête de me chauffer, c'est très drôle. Enfin, je pense c'est très drôle. Et il y a un autre animé qu'on regarde ensemble avec Zuzo. Je vous redis le nom très rapido si on continue. Bah, attends, je vais appuyer. Non, pas My Hero Academia. C'est... Alors, le nom... Ige Hiro. C'est ça le nom apparemment. Ige Hiro, et c'est très bien. C'est mature, mais en même temps non, parce qu'il y a un truc d'un point de vue relationnel. Mais en même temps, il y a de l'humour, on va dire, de pour les jeunes. Ah ouais, l'anime est bien. Je sais taper où ça fait mal quand je parle de Monto. Monto il est là, il cherche la bagarre. Tape dedans. Bon, en tout cas c'est cool, nous on a perdu personne. Ça c'est génialissime. Ouais bien sûr, jamais critiqué quelque chose à sa couverture. C'est nul, je sais. Your name, il est très bien. Mais... Yonem surcoté. Alors je sais pas ce que les gens en pensent et disent, mais Yonem est très bien. Très bien. Dressage, on va dresser lui. Essayez de dresser lui. 68, oh ça le fait, ça le fait. Oui. Et ben on va t'appeler Glaçon toi. Ou Péricube. Non, Glaçon. Ou Glacon. Glacon, tiens. Je pense que ça passe. Yeah. Voilà. Il a glace plus et il a attaque. Il est niveau 25 avec 123 PV. En vrai, il est... Ouais. Pour un niveau 25, 123 PV, je trouve que c'est pas ouf. Bon, je vais le prendre quand même avec moi et je vais bouger. Lui qui ne sert strictement à rien. Hop. Et voilà. Je suis en train de créer le fichier pour t'envoyer la version sur les bugs qu'on a vu, je t'envoie ça après, tu me diras si la save n'a pas changé en même temps. D'accord. Ça fait peur quand même, j'ai pas envie de perdre ma save, hein. Tout ce qu'on a fait. Alors, je crois que c'est lui qui avait le moins de points de vie quand je l'ai frappé. Ok, 100%. Bien ça. Il a souffleur glacial, il a bonus agilité. C'est pas fou hein, de trouver des mobs comme ça. Hein. Comment on pourrait te nommer toi? Corne, glucorne,
Glucorne? Pas pour Glucorne. Voilà. Et je pense que je vais le mettre dans l'équipe tout de suite à la place du souffleur de feu. Non, mais ça ferait trop de glace. Au pire, je le garde de côté. Si jamais lui meurt, je pourrais mettre lui. Je vais faire ça. Que des fans d'animé ici. C'est magnifique. Alors, lame gelante, super glace, sagesse. Bah, lame gelante, je prends. Et enfin, bonus attaque à fou. Voilà. Je vais aussi me reposer avant. Let's go. J'ai peur hein, quand même. Prenez-moi vos psychos, c'est ultra sous-coté. Jamais vu, mais je connais. Il y a beaucoup de noms que vous avez donnés. Et Kleinad aussi c'est sous-coté puisque il n'y a pas beaucoup qui l'ont vu, mais ceux qui l'ont vu et vont adorer. Vont chialer comme des merdes, mais bon comme moi aussi quoi. Ouais, lui est trop fort lui. Là mon main il est absolument fort. Ah le golem de glace aussi il suit. Il suit, mais pas beaucoup de défense. Tchou! Allez, faut soigner. Non, mais faut pas que tu soignes. Quel gogolito. Soin avant tout. L'animal avec l'araignée dans le style, je me rappelle en slam, est très bien. Quoi le nom déjà? Avec l'araignée. Il y a un autre animé aussi où c'est un mec qui au tout début il va mourir et puis il va renaître dans un monde, dans un autre monde, dans un autre univers. J'ai plus le nom de cet anime. D'ailleurs je crois qu'il a terminé, on pourra dans la fin de la saison 2, ou l'arc 2. Et il était génialissime lui aussi. Mais j'ai plus. Super haut, ça fait peur. Ok. Allez, casse-toi, toi. Prends mes secours. Bien, c'est bien ça. Rebond, fais attention. Je pense que normalement, l'IA n'est pas assez conne pour pouvoir le faire. Enfin, on espère. Mon Shokuten Sek. Je vais le noter. Je vais produire ça, c'est ça. Hop. J'ai pas eu un chargement rapide. Hein. Shokutensei. Oui, c'est ça. Exactement. C'est cet animé-là. Et. Mary Mashita Irumakun, c'est assez drôle. Mais lui, il a super haut, je crois. Ouais bah écoutez, on y va hein. C'est vrai que j'ai un contre-attaque. Et 2-1. Ok, je perds personne pour le moment. Mes secours en tension 5. On est au complet. Ouf. Non. Ah mon golem de glace, non. Bon bah au revoir le golem de glace. J'ai peur des autres. Là, qu'est-ce qui est. Au revoir, mon soigneur. Est-ce que j'appelle un autre? Non, je joue pas le danger. Voilà, et casse-toi, toi. Je garde lui tout seul. J'avais dit hein, que ça serait dangereux ici. Vas-y, fais des contres, fais des contres. Parfait. Fini, c'est bon. J'ai perdu, bah j'ai perdu 3 monstres. Nombre de morts. 3 en plus. Voilà, j'ai eu raison de garder mon gland dragon à côté. Par contre, c'est dommage pour mon golem de glace. Parce que lui, bonus attaque, il m'aurait été utile. Sohan Spider, so what? Ah ouais, c'est ça le nom en anglais.
Sans se dérober. Je pense que la prochaine fois, il va falloir que j'XP beaucoup plus que ça pour une épreuve. Allez, on connaît. Pas besoin de relire tout ceci, hein, vous savez. Cela, il pleut dehors. Il m'a donné un oursin tassé. Bon, bien sûr, on ne l'utilisera pas dans l'équipe. Il servira uniquement de... Enfin, c'est comme vous voulez. Je pense à chaque fois, je vous le demande. Est-ce qu'on a le droit de s'en servir? Puisque le jeu nous l'a donné. Donc, en gros, ça peut compter comme une nouvelle zone, puisqu'on est à l'intérieur de quelque chose. Pas que niveau 5. Moi, je pense qu'on peut le garder. On peut l'utiliser. Écho le dauphin. Hop. Et mangez bien ce qu'ils vont manger. Donc du coup, stockage de monstres, gérer les monstres. Toi, je le dis sans faille. Reste cool, bye, bébé. Je dis bye bye. Ouais, c'est ça. Reste cool, bébé. Bye bye. Toi, il va falloir que je te tire en monture. Et toi, adieu aussi. Pour enlever les montures eux-mêmes, hein. C'est chiant de faire ça. Hop, et on va mettre la nage ici. Attends. Attends, j'ai pas dégagé un monstre trop loin. Non, c'est bon. Hein. J'ai l'impression d'avoir jeté quelqu'un d'autre en plus. Donc, retue les morts. Oui, c'est bon, j'ai encore mon gland en avant. Il est heureux. Et lui, il est mort. Voilà, il me reste plus que... Il me reste ces trois-là. Bah, toi, tu vas venir dans l'équipe et toi, tu vas rester ici. Ouais. Sous le glacial. À fond. Et écoute le dauphin, féroce. Oh, il a du soin. Il faut être bien, lui. C'est qui le dauphin vert? C'est un dauphin qu'ils m'ont donné, puisque j'ai pas de monture pour pouvoir nager. Pas la clé du monolithe. Et le dauphin qu'on a appelé Echo. C'est un dauphin oursin, mais il ressemble aussi au poisson qui se gonfle. Voilà, on a la capacité de nager. Dans le pire des cas, ce qu'on peut faire, si lui il meurt, bon, on le laissera juste dans la boîte et il servira juste à nager quand on aura besoin. Ça évite de recapturer des monstres si j'ai pas obligation de nager. On fera ça. Putain, j'ai que deux monstres maintenant. Alors, je trouve de nouvelles zones. Attends, je vérifie que vous allez bien. On dirait que vous avez la nouvelle capacité de monter sous-marin. Parc polaire Est. On connaît le chemin. Finalement, cette boîte est buggée. Je vais pas la faire. Ok, ok, ok. C'est marrant le nombre de mecs moches qui sont connus deviennent d'un coup si pas sexy pour les femmes. Ah ouais! Ah ouais, Thomas! L'argent! Ah ouais! Ah, ça balance des choses là-dedans! Après, est-ce qu'ils ont vraiment tort? Alors, défense. Ouais, une tension, t'as plus de défense. Et toi, on va dire. On va dire aussi tension, on va voir. J'espère juste que tu vas pas mourir bêtement. Là, c'est chaud. Là, c'est très chaud. Je suis déjà confus. La super glace. Ah, c'est pour que je me soigne. Alors au pire, je peux faire ça. Mais je peux pas changer dans tous les cas, donc il fait ce qu'il veut. Et là, je mets en défense pour le moment. Ou limite, toi, tu peux faire encore tension. Évitons la confusion. Ok. Il me fait peur, hein, vraiment. Petit remède.
Défense, tension, tension. En vrai, défense aussi, ça verra. Allez, go, 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 go. Ouais, on va essayer, hein. C'est chaud, par contre. Azamo, que malheureusement, sera toujours laid. Malgré qu'il y ait de l'argent. J'aurais aimé mettre une décuplo, mais il me laisse pas faire. Tout le monde en dépense. Décuplo après. Heureusement, j'ai des multi remèdes parce que j'ai pas de soigneur. On va faire du 999. Lui, il est confus. Faut que je le dégage. Ouais. Puisque dans le. Oui, dans tous les cas, mais si je mets des cuplo, ça bloque à 999 dégâts. Donc tu vas remettre ça à lui. Tu frappes. Tactique. Sans pitié. Défense. Tension. Et lui, je peux le choisir. Ça fait Thomas. Il a des choses à dire. Ah, 966. Ouais, les couteaux, ça vaut pas le coup. Oh merde. Alors ça. Alors ça. Oh merde. Parce que lui, il est confus avec une tension 100. Lui, il est confus. Mais il tape fort. Je pense qu'il va faire ça sur lui quand même. Ah, j'ai peur des gens. Ne me frappe pas. Ne me frappe pas. Ok, ça va. Ça va, il m'a rien fait. Heureusement. Et bah, au pire, on va mettre une poudre d'écoupeau comme ça, on va pouvoir taper sans avoir tension 100. Hé. C'est la bonne idée. Heureusement que c'est pas nos items aussi. Ah, non, mais ça, de toute façon, je le savais. On a déjà fait nos items, je me suis dit, je leur fais pas. Wow. Wow, 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 wow. Je suis tension 20. Juste une tension 20. En fait, je vais faire lame d'eau. Oh, sur tension. Bon, on passe à tension 50. Ça va être à 25. Peut-être que je vais le tuer. Tactique sans pitié. Ordre défense. Défense et défense. On va faire un rayon de monster provoquer nos items. C'est facile, Thomas. Si t'as les monstres, c'est facile. Donc ça suit derrière, c'est bon. Multi-remède. Le multi-remède, il me carille. No save. Ah, no save, du coup, il faut finir tout le jeu d'un coup. Et c'est ce que font les runners. Voilà. Eh ben, on a perdu personne. Ah, je m'attendais pas à ça, franchement j'ai cru qu'on aurait perdu quelqu'un. Pas du tout. Tout le monde a tenu. Ah, je suis choqué. Je suis choqué mais je suis content aussi. Hein. Tant mieux, on garde nos monstres. Défense glace. Moi je peux aller chercher souffle froid. Hein. Il y a des PV. Les PV ça se prend aussi. Hein. Ah, no game. Un challenge, no challenge. Nani Tekuru. Et c'est la victoire. C'est la victoire. Ça va être une petite musique quand même. La musique des héros. Là. Merci Felito. Me pique pas l'idée, hein. T'as pas intérêt. Non mais très surpris qu'on ait perdu personne. Ça a failli. Ça a failli. Heureusement, j'ai pas été trop bête et j'ai déconfu mon main monstre. There is no game. Mais cette zone, on l'a fini vite. Oh, bah ouais, on l'a fini vite. Je ferai un challenge, un no challenge. Ok.
Ça s'annule après, c'est servi au même. C'était pas tout, mais. Ne t'en fais pas, madame. On les connaît eux, hein. C'est un peu le premier monstre qui nous a défoncé la gueule lors de ce Nuzlocke. On a peut-être trois monstres sur lui. Tiens, on pourrait se dire, pourquoi ils ont pas rajouté une petite musique et tout, mais en même temps, comme c'est un enregistrement, tu te dis, bah en fait, finalement, ça, c'est bien. Comment allez-vous, mon vieil ami? Cela faisait un moment, dois-je dire, ravi de vous rencontrer. Je suis Dark Master. Eh oui, ça n'a pas changé depuis le temps, c'est toujours Dark Master, celui qui chasse les résistants. Il semble que votre paradis n'était pas satisfaisant. Quel idiot marchait sur le chemin de votre propre autodestruction. Cette fille sans vous diriger, honnêtement, n'apprendra-t-elle jamais? Non, vous ne vous échapperez plus. Maintenant, peu importe où vous êtes, je peux vous traquer. Restez tranquille, épargnez-moi des ennuis. Master! Exactement, Dark Master! Yamete kudasai! Dark Master-sama! Mais bon, vous pensez à Gwenjin Shuya dans Inazuma Eleven. Respecte le héros, il fout. Hop, on récupère ça. Ah, mon oreille, c'est une otite, ça. Je t'attends là-bas, à Kiki. Oui, normalement il peut pas lui offrir Yggdrasil. J'aurais pu même la prendre avant, mais bon, j'ai trop de balles. Kouisa, comment tu vas ce soir? J'ai un sonneau pour Dark Master, mais c'est pas pour lui. Tant que c'est Twitch Friendly, tu peux, Thomas. C'est comme j'espère. J'espère, c'est enculé. Il y en a le droit. Oh bah, ça va être chaud de capturer après. Mais arrête! Bon allez, on y croit, j'en ai rien à foutre. Allez, on fait pas grand chose en fait. Tu te fais un quoi? Un faucon d'or? Bah tu vas être un vrai condor. Voilà. Niveau 34. Vache. Il a guérisseur bonus. Oh non, sûr, je vais le perdre. Oh, les stats. C'est quoi ces stats? Mais il est fort. Merci Isabelle, merci, j'attends. 280 d'attaque, 233 en défense, 243 en agilité, 233 en sagesse, 332 PV, 143 PM avec guérisseur bonus agilité. Il est trop fort. Ah mais lui, comme j'ai dit, il faut vraiment pas le perdre. Si je le perds, chaud. Chaud cacao. On a le Fiki. On a lui, parce qu'il fait rien, j'ai envie de le mettre lui. Hein. Il est tout beau. Tout beau, tout propre, tout neuf. Multi-soin, oh multi-soin, et hop là, ça part. Après, il y a amplification, rappel. Ouais, mais rappel, s'il est mort, il est mort, donc je peux plus rappeler. Donc, finalement, ça me servira à rien non plus. Amplification, c'est pour la sagesse, c'est assez bizarre. Et la plus bénéfique, il y a le rebond. Ouais, je prends l'agilité.
là, en 30. Hop. Et je me rappelle de Fulito qui faisait un point par un point à chaque fois. Il suffit de faire droite, touc, ça met tout, jusqu'au prochain palier. Ça, je m'en souviens très très bien. Très propre ce monstre. C'est carrément ce qu'il me fallait surtout. Mais faut pas le perdre. S'il vous plaît le jeu, ne me le tuez pas. Il faut que je le garde jusqu'au bout, il a multi-soin, c'est très fort. Rappel. Le point. Mais arrête. Tais-toi. Tais-toi, Cacnéa. Petite auberge. Si tu n'as pas d'aile. Surtout qu'on va bientôt arriver dans une partie où il y a des monstres quand même assez chauds. Oh, attends. Sachant que sur le toit de la bastille, il y aura une carte de téléportation. Et ce qu'il y a là-haut, c'est qu'il y a le robot fourche, il y a le gluant. Moins de gluant normal ou moins de gluant de métal, ça dépend. Ah, si j'arrive à choper le gluant fourche. Ah mais il sera à l'intérieur, donc on ne comptera pas. Ah ouais. On essaye. Et bah c'est fini pour ce soir, voilà. On se quitte comme ça, bien sûr, parce qu'il va y avoir des cinématiques qui vont s'enclencher. Donc on va dépasser en termes de temps. Là, je pense qu'on est bon. Pour notre équipe, je trouve que bah, c'est plutôt sympathique hein, ce qu'on a. On peut mieux faire pour lui, mais il résistera, c'est ça qui est bien. Lui, bah, si on arrive à capturer un autre monstre, on aura mieux. Et on a quand même 6 monstres pour le moment. Donc ça tient. Bon, bah merci d'avoir été là.